Grace et Sébastien. Bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va poursuivre le vendredi vs lundi. Bon, vous comprenez rien? Ok. Là, c'est beaucoup mieux comme ça. Bien, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on va poursuivre ce que j'ai commencé la semaine dernière, donc le vendredi vs lundi. Donc là on est le lendemain, la vidéo est sortie, donc le lundi, hein, ce qui est logique. Donc je vais vous faire un petit point aujourd'hui sur le démarrage pour qu'on puisse reprendre la suite. Donc déjà il faut savoir que ce matin il fait aussi froid que vendredi. Alors un petit peu moins, il fait moins 1 et le vendredi il faisait moins 2. Donc vous voyez, 1 degré d'écart. Sauf que tout le week-end il a gelé, je crois qu'hier on était sous moins 4 ou moins 5, quelque chose comme ça. Donc évidemment, le froid, plus il va durer dans le temps, plus ça va être compliqué le matin pour démarrer. Parce que hier, je suis venu donc couper l'eau. Hier soir, je suis venu couper l'eau dans le garage. Donc j'ai un ballon qui est dans le fond, là-bas, derrière la tôle. Je suis venu couper le ballon, je suis venu vider l'eau, toutes les machines, sauf une vanne qui est dans le fond là-bas, mais bon, je m'en sers jamais, donc je ne l'ai pas coupé. Même si c'est gelé, c'est moins grave. Et ce matin, malgré que j'ai coupé l'eau, eh bien évidemment, les tuyaux étaient gelés. Donc vendredi, à moins 2, les tuyaux n'étaient pas gelés, n'étaient pas vides et n'étaient pas gelés. Ce matin, à moins 1, j'avais vidé les tuyaux, ils étaient gelés quand même. Donc on a perdu un petit peu de temps à tout dégeler. Après, je sais plus ou moins où ça gèle. C'est à l'entrée de la machine, il y a un tuyau jaune comme celui-ci. Et ceux-là, ils gèlent plus que les tuyaux PVC qu'on peut avoir comme ça. Donc bon, j'ai mis de l'eau dessus, c'est parti au bout de 5 minutes, ça s'est quand même lancé. Donc pareil, j'ai dégelé aussi, donc comme l'autre jour, hein, les rouleaux pour les caisses, les courroies sur la machine, voilà. Tout est reparti, tout est en route. Et donc aujourd'hui, normalement, si tout se passe bien, et vu les commandes que j'ai, je vais vous les dire au fur et à mesure de la journée, vous allez voir que normalement, ça devrait être un peu plus critique. Par contre, le point positif du lundi, c'est que derrière moi, toutes les carottes sont déjà pesées. Mon père, le week-end, il vient, il est venu un peu le samedi matin, un peu le dimanche, il est venu peser les carottes. Donc évidemment, ça nous fait gagner un peu de temps parce qu'on n'a plus à peser les carottes, si ce n'est qu'il manque, vous voyez, la palette Lidl, là, qui n'est pas finie, qui est juste à finir. Mais il n'y avait plus de Lidl, il reste juste des marrons qui sont là. Donc on va sûrement transvaser, mais bon, ça va correspondre. Donc aussi, moi je suis allé arracher mon poireau, donc comme je vous dis en dernière vidéo, je ne savais pas si c'était un dimanche. J'y suis allé le samedi et heureusement, vu qu'il a bien gelé le dimanche. Donc par contre, le poireau il est dehors. Je ne vais pas vous montrer parce qu'il fait nuit, il est toujours 7h30, hein, toujours, on commence toujours à la même heure. Donc il est dehors, j'ai rentré juste un rouleau pour commencer. Alors évidemment, le dessus du rouleau lui il est gelé. Ça va être un peu compliqué au démarrage, mais bon, après ça va se lancer tranquillement. Puisque dans la bobine, il n'y a que le dessus qui gèle, le reste ne gèle pas. C'est l'avantage, on peut le laisser dehors au frais, il n'y a pas de problème. Donc là, pour commencer, je vais quand même allumer les poêles, même si moi pour l'instant ça va. Je sais pas, donc je vais allumer les poêles quand même. Comme ça, ça va les réchauffer un peu. D'ailleurs, dans les commentaires, alors je sais plus c'est qui m'en a parlé. Je vais lui répondre directement en vidéo parce que c'est beaucoup plus simple qu'en commentaire. Il m'a parlé de faire une genre de couverture bois dans le local avec un chauffage à gaz, je crois, si ma mémoire est bonne. Alors le problème, je suis tout à fait d'accord avec toi, mais pour moi, c'est pas la solution, parce que si tu fais quelque chose en bois là-bas, ça va pas marcher pour mes carottes. Moi, j'essaie de trouver un système pour faire et les carottes et le poireau. Comme ça, tout sera, entre guillemets, réchauffé et on travaillera dans de meilleures conditions. Donc ton idée était pas mauvaise, mais pour moi, je pense pas la bonne. Mais on verra avec l'avenir, je sais encore pas trop ce que je vais faire, donc pour l'instant, je ne dis trop rien. Bon, vous avez pu voir, je viens de finir les carottes, donc là il est à peine 9h. Bon, j'ai épluché un petit peu entre deux. Et on va compliquer un petit peu la journée. Maïlys est repartie parce qu'elle avait une gastro, elle faisait que de vomir, donc elle m'a demandé à partir. Donc non seulement j'ai une journée assez compliquée, vous allez voir à la suite de la vidéo, mais en plus il y a une personne en moins. Encore un défi de plus à réaliser aujourd'hui. Plus c'est dur,
plus on aime et plus on va y arriver. Donc là, je vais sûrement les aider un petit peu à éplucher jusqu'à 9h, 9h15. On va faire la pause de bonheur. Comme ça, moi, après, je vais prendre le John Deere et je vais aller enlever de la paille pour cet après-midi. Donc ça y est, tout le monde a fait la pause. Donc là, le cylindre indice, il est allumé, en train de chauffer un petit peu avant de démarrer. Moi, là, je vais me réchauffer avec la fourche. Enfin, la fourche à la main, ça va bien me réchauffer. Et heureusement, parce que là, je suis complètement congelé. Donc ça y est, je me dans le John Deere. Donc là, on s'en va aux carottes et on va découvrir 4 planches pour cet après-midi. Comme ça, après les panés, pour directement aller aux carottes. Et les gars, pour arracher les carottes, tout Gérard, il va falloir qu'ils reviennent ramener les panés. Comme moi, je vais aller arracher le poireau après manger, en espérant que le terrain ne soit pas trop gelé. Parce que ça me chamboulerait un peu le programme. Et ça serait pas terrible. Vous allez voir pourquoi plus tard dans la vidéo. Bon, ça y est, je suis arrivé au champ. J'ai peur pour le poireau cet après-midi. Hein. Franchement, le terrain, je peux vous montrer le terrain comment qu'il est. Et vraiment, j'ai peur. Regardez le terrain, c'est que même avec mon pied, regardez. Pour vous montrer, j'ai assez cassé une. Regardez l'épaisseur du gel. Et là, j'ai peur que dans le poireau, comme le poireau, il y a des feuilles, pas spécialement, le sable n'est pas spécialement au soleil. J'ai peur que le terrain ne dégèle pas cet après-midi. Et donc, ce que je vous ai dit tout à l'heure, j'ai peur, c'est pas pouvoir arracher un poireau à 1h30, mais plutôt vers 4h. Parce qu'à 4h, j'aurai pas le temps. Parce que j'aurai autre chose à faire. Bon, on verra tout à l'heure. Pour l'instant, on va pas se faire de mauvaises idées. On va attendre que le temps passe. Là, le soleil a l'air d'arriver. Donc, on va attendre. Donc là, je suis arrivé aux carottes. Donc, je vais... Déjà, la chance, c'est que vendredi, c'est Gérard Valentin, que le tracteur est à Tlovibro. Ils m'ont passé un coup. Donc moi, j'ai juste enlevé la paille. Ça devrait aller assez vite. Et l'autre jour, je vous disais qu'il y avait le coq qui était en champ. C'était déjà très avec. Mais là, c'est encore pire. C'est que l'autre jour, on arrachait les carottes. Enfin, ils arrachaient les carottes. Je suis venu chercher une palette. Ou découvrir, je sais plus, et il est dans le champ. Vraiment, il se promène dans le milieu, entre nous. Et donc là, il est parti, juste, il est devant là-bas. Je vais pas vous montrer, vous allez pas le voir à la GoPro. Mais là, il est là-bas, et je suis sûr que pendant que je vais découvrir, pour une heure à faire ça, vous allez voir que pendant une heure, il va rester en champ. Moi, je vais à la droite, il va venir à gauche. Je vais à la gauche, il va aller à droite. Mais il va rester en champ, tranquillement. Voilà, c'est son endroit, c'est son territoire, il bouge pas. Donc à chaque fois que je viens, il est là. Bon, maintenant, au lieu d'avoir froid aux mains, je me mets à découvrir à la fourche, et quand je suis quitte, j'attends le ratofan pour découvrir. Bon, ça y est, j'ai fini d'enlever la paille. Donc mon père est encore derrière, je sais pas si on le voit derrière. Il finit d'enlever un peu de paille à la main. Mais moi maintenant je vais rentrer au garage, je vais aller voir où c'est qu'ils en sont. Et il va peut-être falloir aussi charger les carottes pour aller livrer ce matin. Parce qu'en plus il m'en faut de l'emballage pour demain. J'ai plus de carton Lidl et j'ai plus de carton Label Rouge. Donc faut que j'aille livrer dans la journée et pas ce soir. Parce que... Les panés, le poireau vont être livrés ce soir, mais le Caris qui nous met les emballages, lui il sera parti, il part à 5h30. Et comme je sais qu'on va livrer après, c'est quasiment sûr, à 95%. Donc je vais. Il faut que je livre absolument la journée pour reprendre de l'emballage pour avoir assez pour demain matin. Alors c'est toute une organisation qu'il faut que je fasse pour réussir à. Avoir cet emballage et livrer et faire le moins de trajet possible aussi. On m'a demandé un petit peu de carottes, mais je vais pas aller les faire, j'ai pas le temps. Là aujourd'hui je peux pas tout faire. Cet après-midi va être très très compliqué. Par contre les terrains ont bien dégelé. Il y a eu des beaux rayons de soleil qui sont arrivés là pendant que je découvrais. Quand je dis que je découvre, c'est les carottes hein, évidemment. C'est enlever la paille. Je précise pour que vous compreniez parce que j'ai mes termes à moi. Et donc avec un peu de chance, je pourrais l'arracher le poireau. À 1h30 pour pouvoir ramener le poireau et eux vont s'occuper des paniers et des carottes. Bon, je suis rentré au garage, vous avez pu voir aussi, je suis rentré avec la souleveuse comme l'autre jour parce qu'aujourd'hui il faut dépanner comme je vous ai dit depuis le début de la vidéo.
Donc la souffleuse, elle est rentrée prête à retourner cet après-midi au panais. Et par contre, là, je dis, il manque Miley, c'est pour être beaucoup moins joli. On commence à avoir pas mal, enfin, même beaucoup de mildew. J'ai pas réussi à traiter mon poireau correctement de novembre à aujourd'hui. Donc évidemment, le poireau, bah, vu le temps très humide qu'on a eu depuis quasiment 2 mois, bah, évidemment, le poireau, il prend le mildew. Donc là, pas mal de pertes, il manque une personne. Donc là, on n'est même pas à 2 tonnes d'épluchés la matinée. Il reste qu'une demi-heure. Il a manqué 500 kilos ce matin. Bon, bah après, voilà, c'est comme ça. On ne peut pas être toujours parfait, on ne peut pas toujours être toujours au maximum. Il y a un moment où voilà, ça rentre avec la nature, il y a du mieux, il y a du moins bien, et bon, bah là on est au moins bien. Donc je vais laisser éplucher pendant une demi-heure et on se retrouve après manger pour voir un peu comment on va se goupiller, parce que c'est pareil, il y a encore des choses à faire, et même moi là je ne sais pas comment j'organise mon après-midi. Donc c'est pour vous dire. Bon, on se retrouve 1h15, donc on vient d'aller manger. Là donc les filles sont parties, donc sauf Maïlis. Sont partis arracher les paniers, donc Valentin a pris le 6090 avec la souleveuse. Gérard, notre tracteur qui est là, est en train de prendre des palettes, ils sont avec le plateau. Les filles sont avec la voiture, la remorque, les caisses jaunes pour les paniers et les cartons dans la voiture pour les carottes. Et moi, ce que je vais faire, je m'en vais dans mon lit tranquillement dormir une petite heure et puis après, j'irai sûrement voir si ça veut avancer. Bah, vous m'avez pas cru? Bon, ok, je vais aller bosser un petit peu. Mais c'est vraiment pour la vidéo que je vais travailler. Sinon, en général, je fais rien. Bon, bref, blague à part. Donc, vous avez bien vu, vous êtes bien aperçu. Premier changement, vous avez pu vous apercevoir. Ils sont partis arracher les panais. Alors que la semaine dernière, ils étaient déjà arrachés de la veille. Donc, c'est déjà la première chose à faire qu'on n'a pas fait la semaine dernière. Et moi, pendant ce temps-là, je vais faire la deuxième chose qu'on n'a pas fait la semaine dernière aussi. Vous avez pu voir la vidéo. C'est que je remets mes rouleaux sur le plateau et je m'en vais arracher le poireau. Donc, il nous reste quasiment un rouleau complet. Parce que le poireau, il est mais pourri dégueulasse quand je vous dis ce matin, franchement. Si je peux vous montrer. Si on prend le poireau, par exemple, là, voilà. Ça, c'est du mildew. Si j'en prends d'autres, là, voilà, c'est petit. Là, c'est petit, mais là, voilà, encore une trace de mildew qui est là. Là encore, vous voyez. Vous voyez déjà 3 poireaux différents. Donc, le résultat, eh ben, j'ai... Donc comme tous les lundis, mon contrat, ma tonne de contrat qui est ici. J'ai une palette de 400 kg qui est là, une de 400 kg qui est là. Bon, elle n'est pas finie, mais c'est sur les rouleaux. Donc la palette qui est là est finie. J'ai un petit peu 30-40 qui est là-bas. Mais en tout cas, c'est j'ai une tonne ou une tonne 5. Il manque 500 kg à la matinée. Bon, il manquait Maïlis, le froid et le poireau dégueulasse. Tout ça, ça fait qu'il manque évidemment le rouleau qui est là. Donc déjà aujourd'hui, je vais gagner un peu de temps. Même si là j'en perds parce que je filme, je vais l'arracher 4 palettes au lieu de 5, ça va largement suffire pour demain. Et encore une fois, les 5 rouleaux, les 4 rouleaux de poireaux qui n'étaient pas la semaine dernière qu'il faut qu'on fasse. Donc vous imaginez, certes on a gagné un peu de temps avec les carottes qui étaient déjà pesées, mais là il faut les arracher, ils sont partis arracher les panais, ils en ont bien pour 1h30 facile à arracher. Moi je vais arracher mon poireau, j'en ai bien pour 1h30 facile, d'en aller là-bas, atteler la machine, arracher et revenir. C'est pas parce qu'il y a une palette de moins que je gagne du temps. À arracher en soi une palette, je mets 10 minutes. Donc les 10 minutes de perdu, c'est pas ça qui va me changer mon après-midi. Et évidemment, une fois que tout ça va être fait, on va pas être quitte parce qu'il faut qu'on fasse tout au garage après, comme la semaine dernière, quasiment. Donc, on va changer tout ça et on s'en va maintenant. Et puis je vous fais un petit remake de la semaine dernière, je mets la GoPro et je charge la remorque avec les rouleaux. Bon, ça y est, vous avez pu voir les 4 palettes sur la remorque. Et là, je passe vite fait faire le plein tracteur parce qu'il était complètement à sec. Le samedi, j'ai fini, il n'y avait plus du tout de carburant. Donc là, je suis en train de refaire le plein. Alors, j'ai un petit moment, j'en profite. Aussi, ce midi, je me suis un peu organisé pour cet après-midi. Donc, comme vous savez, les filles, Gérard, Valentin sont partis au panais. Moi, j'en vais au poireau. Et après, je rentre. Et Gérard aussi, il va rentrer avec les panais. On va vider les panais. Alors, il, si il est tout seul, et on, si je suis rentré. Vider les panais et il va reprendre
aussi pour repartir les deux palettes qui sont là de, en label. Donc ça, ça va chez un client, vous savez, il y a deux clients différents. Ça, c'est le premier client, il faut que ces deux palettes-là, il va les ramener, il va les livrer et il va en profiter aussi pour prendre une palette d'emballage donc de Lidl, carton Lidl vert, et une palette aussi de couvercle, le label rouge. Il doit me rester trois paquets, donc un petit 100 cartons. C'est une palette tout juste. Donc voilà, il va livrer ça, il va reprendre deux palettes et il va aller aux carottes. Comme ça, j'aurais livré déjà le premier. Et moi, je vais revenir, je vais laver les panés en espérant être quitte de laver pour 18h. Comme ça, il rentre, on décharge les carottes, les deux palettes d'emballage, on recharge tout ce qu'il faut pour le deuxième client, donc jardin. C'est un jardin de créance, donc j'appelle jardin. Et il va livrer. Et normalement, si tout se passe bien, ça devrait le faire pour 19h. Ben, ça, on va voir la suite de la vidéo. Bon, là, il est 3h passé. J'ai mis beaucoup de temps à arracher. J'ai eu des coups de téléphone, des soucis privés avec les enfants, la gastro qui attaque tout le monde, même les nôtres. Donc voilà, on a beaucoup de soucis, on perd du temps. Donc là, je viens d'arracher mon poireau. Je vous ai pas montré en vidéo. Le poireau, il est dans un état, mais pitoyable, franchement pitoyable. Là, je suis dans une passe. On va quasiment rien récupérer, c'est sûr. Un exemple, c'est qu'il me fallait un rang dans le champ où je suis, là, donc derrière, et puis bon, devant, ça continue. Il me fallait un rang et un tiers d'un rang, à peu près. Donc un rang plus un tiers de rang pour faire une palette. Là, aujourd'hui, je suis quasiment arrivé à deux rangs. Le poireau, il est fondu, il n'y a plus rien. Je peux vous montrer vite fait. Je vais vous montrer une tâche où c'est fondu, vous allez voir, il n'y a plus de poireau. C'est impressionnant. Donc là, par exemple, on peut voir le poireau. Il est complètement, fondu, il n'y a plus rien. Ces poireaux-là, bêtement, tout va quasiment à la poubelle, en fait. C'est incroyable. Franchement, cette année, on a eu beaucoup d'eau, certes, mais là, c'est... C'est pas motivant du tout, là. Là, ça y est. Bon, c'est vrai que c'est la fin du champ, mais le problème, c'est que je viens d'aller voir juste après. Le prochain, il va être kiff-kiff à quelque chose près. Alors, l'eau, c'est bien, du prix, mais par contre, le problème, c'est que je suis pas derrière traité régulièrement. Et on pourrait dire ce qu'on veut, mais voilà, j'ai voulu traiter la dernière fois sans produits phyto, mais juste avec d'autres produits. Et malheureusement, ça n'a pas marché. Hein, y a pas... Après, il y avait déjà un peu de mildiou. J'aurais peut-être dû directement attaquer avec un fongi plutôt que de vouloir faire ce que j'ai fait. C'est un mauvais choix, mais après, on apprend de nos erreurs. Là, je le sais. Dès qu'il va refaire beau, alors là, il fait beau, mais dès qu'il va faire froid, donc je pense que si je peux demain. Je vais essayer de traiter ce qui me reste en poireau pour essayer au moins de limiter la casse, qu'il arrête de faire des conneries comme ça. Parce que sinon, on va rien avoir en fin de saison. Et on va prier pour être quitte de la saison tellement ça va être de la merde. Même si j'ai déjà fait aujourd'hui, vous inquiétez pas. Bref, ça on verra plus tard, on verra en fin de saison ce que ça donne. Pour l'instant, je vais acheter la poireau qui est encore sous tracteur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais repartir, au lieu de repartir par là. Je vais partir dans le fond, voir ma plus grande parcelle de poireaux de l'année qui a eu les mêmes traitements, qui a la même variété. Alors j'ai très peur, je vous rassure, j'ai très peur. Je vais aller voir comment qu'il est, on ne sait jamais. Si par chance il a pu écoper un peu à tout ça, ça pourrait être très très bien. Donc je vais voir ça, après je rentre au garage, les panés devraient arriver. Parce que tout à l'heure il manquait plus grand chose à faire. Et normalement on se met à laver les panés pour faire la livraison ce soir. Bon là il se trouve 4h, je vous reprends très vite fait, très rapidement. Tout simplement en train de laver les panés. J'ai la coopérative qui vient de m'appeler. Elle veut que ce soit livré à 5h. Donc dans une heure, les filles sont aux carottes. Enfin, les gars, les filles sont aux carottes. Ils sont pas du tout quittes. Le problème, c'est que Gérard est parti les rejoindre avec la remorque. Donc j'ai pas de plateau. Il faut que j'aille encore plus de la moitié des panés, donc plus de 600-700 kg de panés. En une heure, il faut que je charge et j'aille livrer. Ça va être clairement pas possible. C'est pour voir la différence entre le vendredi et lundi. Là, vous la voyez clairement. Là, on est dans le jus. On fait ce qu'on peut pour s'en sortir. Et j'ai refusé un client en carotte ce samedi après-midi que je ne peux pas faire pour demain. J'ai dit non, je ne pouvais pas. Et donc il va voir s'il peut m'envoyer le camion de la coopérative chez moi pour lui charger la palette. Parce que moi je ne serai pas à l'heure du tout, ça c'est sûr. Bon, je me dépêche, j'y retourne et je reprends quand on est quitte de laver les panés. Ou si quand le camion est là. À tout à l'heure. Bon, là on se retrouve à 5h15 alors. La GoPro qui me saoule comme il n'y a pas. Et voilà, il n'y a pas à chier. Les panés qui étaient tout à l'heure en bois sont bien partis en camion. La coopérative est venue les chercher à 5h moins le quart. J'ai voulu filmer quand les panés étaient mis dans le camion, sauf que la GoPro ne voulait pas s'allumer. Et donc je ne pouvais pas. En fait, c'est la batterie qui a dû bouger un peu dans la GoPro. Et résultat, j'ai pas pu filmer la séquence parce que je peux pas démonter comme ça la GoPro maintenant. Comme j'ai mis le micro autour, il faut que je monte tout en la batterie.
Donc je remercie encore ma GoPro, ça fait deux vidéos qu'elle me fait ça. Je pense qu'à un moment donné, enfin, du moins une qu'elle n'a pas filmé et là qu'elle n'a pas voulu s'allumer, ça commence à m'énerver. Donc là, il est 5h30. On est quitte au garage, on est quitte. Les panais sont ici, le poireau, tout ce qui est derrière, les carottes sont pesées donc, comme de ce week-end, comme je vous l'avais vu dans le début de vidéo. Aux carottes, ils sont quittes, donc ils arrivent. Donc là, on va faire la pause. On va en vitesse décharger la remorque de Gérard, recharger tout pour qu'il aille livrer. Je pense que Valentin va vider les épluches pendant que moi je vide le poireau. C'est pour vous dire, hein, j'ai refusé un des deux clients en carottes. On est limite à faire ce qu'il faut. Le camion est venu chercher les panais parce que j'étais pas. Bah, il m'a appelé à 4h pour 5h, je pouvais pas, mais j'étais pas prêt. Et après, il faut encore qu'on lave tout ça, qu'on remette des caisses pour demain. Et demain, une journée monstre. Demain, je vais même pas pouvoir la faire. Ça va se terminer qu'il n'y a pas de poireau mercredi pour arracher les carottes. Parce que je vais recevoir la commande. Pour demain, il me faut deux plaques de navets, donc on commence. Deux plaques de navets. Il m'en faut quasiment autant de panais et plus les carottes. Bah, ça va pas le faire, c'est sûr. Donc mercredi, il n'y aura pas de poireau pour pouvoir faire tout ça. Donc ça y est, vous avez pu voir, on a chargé, ils ont monté des caisses, ils ont fait les cons comme d'habitude. Mais bon voilà, enfin, après c'est le soir, on peut décompresser, la journée est finie. Donc là il est plus de 18h, 18h10, quelque chose comme ça. Donc là Valentin vient de rentrer les épluches, Gérard s'en va livrer. Il nous reste encore les rouleaux qui sont dans le fond là, à reculer, à quai et vider. Donc là on va le vider. Après toute la remorque qui était là,
tout ce que j'ai à ramener, il est là. Les, la palette de Lidl, hop, qui est là. On a la palette de la Belle qui est dans le garage, les carottes sont là. J'ai tout mis là en bordel pour aller au plus vite pour recharger la remorque. Comme ça, après, là on va avoir le temps, maintenant j'ai la partie livrée, il y en a pour 3 quarts d'heure à peu près à livrer. Donc j'ai le temps de vider mes 4 rouleaux de poireaux et ranger toutes mes carottes. Et donc vous voyez, on va finir la journée à tout casser vers 19h. Et on a, sachant qu'on a refusé un client, je le répète et je le redis, on a refusé un client de carottes pour demain. Donc vous voyez la différence, vendredi ça allait. Je suis tout tranquille, ma récision est chargée. Et aujourd'hui par contre, bah, c'est la Bérésina lundi. Hein. Et encore, j'avais une réunion, je ne suis pas allé. Tout est sur la remorque quand même, si on a quand même fait toutes les commandes. Mais c'est vraiment du compliqué. Hein. Donc là, on va reculer le gaz et après on va vider tout ça, tout ranger dans le garage et puis préparer à temps que Gérard arrive. Donc ça y est, Valentin est en train de finir de décharger le poireau. Donc là, après, on n'a plus qu'à rentrer le casque qui est au plateau. Ça va aller très vite. Et après, on n'a plus qu'à attendre Gérard qui rentre. Donc les caisses, toutes les caisses sont mises juste là. Donc les filles ont monté les caisses. Donc ça y est, la journée arrive à son terme. Donc pour ceux qui ont vu les deux vidéos sur vendredi vs lundi, je pense que vous avez vu quand même la différence entre les deux. On est quand même sur une fin de semaine en roue libre. Parce que voilà, tout est récolté, il n'y a plus besoin le vendredi d'aller chercher spécialement beaucoup de légumes dans les champs. Par contre, le lundi, bah, on repart de zéro, évidemment. Il n'y a pas de légumes le week-end, à part des carottes qui peuvent traîner, les carottes du lundi qui sont en garage, parce qu'à la saison, elles se tiennent bien. Mais on ne peut pas avoir de panais, parce que le panais, c'est une culture qui tourne très rapidement du blanc vers le jaune. Donc le lundi, c'est un peu speed. Tout là, en plus, il fallait quand même une tonne de panais, plus d'une tonne de panais. Comme je vous disais tout à l'heure, demain on n'en parle même pas, faut quasiment autant de panais, plus les navets, plus des carottes. Enfin, demain de toute façon, on va nager sous les commandes. Donc bah après, c'est bon signe, hein, vous allez me dire, moi, c'est qu'il y a de la commande, c'est qu'il y a du boulot, c'est génial. Mais bon, après, il faut réussir à tout faire quand même, parce que faut savoir que si je refuse des commandes comme j'ai fait aujourd'hui, à force de refuser, le client il va aller chez d'autres producteurs, ce qui est normal parce que je ne peux pas le fournir. Donc il faut trouver l'équilibre entre ce que je peux faire et essayer de travailler avec tout le monde et correctement pour pas perdre des clients et puis me retrouver avec toutes mes carottes sur le dos. Même si ça va pas arriver, je pense, cette année, et puis j'en fais pas assez pour me retrouver dans des conditions entre guillemets dramatiques de pas pouvoir les arracher, du moins les vendre. Donc je pense, je sais pas du tout le rendu ça va avoir, je pense que la vidéo va être beaucoup moins quali que la semaine dernière, ce qui est logique. J'ai fait beaucoup moins de plans, même si Sarah ce soir a fait pas mal de plans quand on déchargeait, montait des caisses. Enfin, je lui ai dit prends la caméra, filme un maximum de choses, qu'on ait quelque chose à mettre dans la vidéo entre guillemets, mais que vous voyez quelque chose que vous n'avez pas vu la semaine dernière spécialement correctement. Donc voilà, mon concept est fait, donc j'espère qu'il vous aura plu. J'essaie d'en retrouver d'autres concepts, ou même celui-là plus tard, je le referai avec d'autres choses à montrer à voilà, différentes saisons. On verra si ça peut fonctionner aussi l'été. Donc maintenant, je vous laisse sur la fin originale que j'ai voulu faire et que tout le monde a voulu participer. Enfin, les ouvriers parlent devant la caméra. Donc pour la fin de la vidéo, on va faire participer tout le monde. Alors je pense que ça va marcher, j'aurai appris la leçon. Donc je vous laisse réciter la leçon. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un maximum de pouces. Je vous souhaite à tous une bonne semaine. Au revoir YouTube. Et le dernier mot pour le patron, ciao.